Donc, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je suis avec mes deux collègues, hein, José et Jane. Et sur l'épisode d'aujourd'hui, on va vous présenter donc, trois exercices dans la salle de cross-training de Fitness Park. Donc on sera sur du soulevé de terre. Ensuite, on va enchaîner donc, avec des box jumps. Et enfin, on terminera donc, avec le travail avec la corde ondulatoire. Donc voilà. Voilà, donc la barre elle reste collée à tes cuisses. Parallèle, voilà. Non, la barre elle reste collée à tes tibias. Non, tu as baissé la tête, regarde devant toi pour t'obliger à ressortir la poitrine. Voilà. Encore. Ok, next. Voilà. Ok, alors. C'est bon le mouvement, mais comme celui qu'il a fait précédemment, en fait vous êtes sur du soulevé de terre, mais plus sur des squats soulevé de terre. Parce que ici, moi ce que je veux, c'est du soulevé de terre du classique, donc ici, donc c'est le buste qui va se pencher en avant, et non pas ici un squat. Ok ? Voilà, donc c'est vraiment le buste qu'on penche en avant. Ok ? On y va. Voilà. Donc on ressort bien la poitrine, on regarde vers l'avant, et on fait coulisser. Voilà, et on revient. Nickel chrome. Encore ? Une dernière. Super, next. Voilà. Voilà, largeur d'épaule, nickel. Voilà, donc plie les jambes, descend. Non. Descends les fesses. Tu descends vraiment accroupi, descends, plie tes jambes. Plus bas, tu peux descendre les fesses, regarde devant toi. Voilà. Et tu soulèves là-bas. Ok, on ressort ta poitrine. On serre tes omoplates. Là. Voilà, on va devant toi. Et on y va. Tu l'as fait coulisser cuisse et tibia. Non, toi, tout de suite, en démarrant, tu fais ça. La cage reste ouverte. Serre tes omoplates. On va devant toi. Non, tout de suite, tu fais ça. C'est là, ça descend. Laisse tes fessiers partir en arrière. Non. Ici, tu es là. Là, et ça part. Là, tu vois. Là, c'est ton buste qui descend, mais pas tes épaules que tu relâches. Yes. Et tu laisses le buste partir, non? Parce que tes genoux ne passent vers l'avant. Ton buste qui part vers l'avant. Laisse les bras descendre. Remonte. Voilà. Ressort ta poitrine ici. Tes fesses partent vers l'arrière. Laisse partir tes fesses. Ressort ta poitrine. Regarde devant toi. Là. Ici. Et penche ton buste en avant. Vas-y. Voilà. Et laisse la barre coulisser le long de tes cuisses. Laisse ton bassin partir. Non, remonte. Tu es trouvé oui au niveau de ton bassin. Là, voilà, et vas-y. Laisse ton buste descendre. Là, laisse le buste descendre. Voilà. Et remonte. Remonte. Ok, et tu t'arrêtes au milieu de tes tibias. On y va. Là. Oh, pose d'abord. C'est pas grave. C'est que tu regardes au niveau de ton bassin, il faudrait juste qu'on voit ensemble la bascule de ton bassin. Vas-y. Yes, nickel. Voilà, mais pareil, tu m'as fait comme les deux premiers, tu es sur un squat. Voilà, donc c'est vraiment ici ton buste qui descend. Donc la barre reste collée. Voilà, et on s'arrête au milieu des tibias, hein, pas plus bas. Par contre, tu es complètement décollé et ton dos était complètement rond. Donc les omoplates restent serrés, le cul en arrière et on y va. Tu laisses que le buste descendre. Casse juste les genoux. Voilà, c'est parfait, mais laisse la barre coulisser. Vraiment coller. On ne la décolle pas des cuisses, ni des tibias. Voilà. Et là, vas-y, reprends. Voilà, là, stop. Ok ? T'as senti ? Faut pas plier les jambes. Tu casses juste les genoux et tu laisses le buste faire le travail. Non. Là, le dos est rond. Laisse le cul partir en arrière. Voilà. Et tu remontes. It's good. Vas-y. Voilà, mais laisse-la couler à toi.
C'est les gens qui font par exemple du crossfit, ils ont de grandes chaussettes justement parce que la barre doit vraiment rester collée pour éviter de manger leur tibia. D'accord ? Nickel, c'est parfait. Ok. Allez. Donc là, on va voir le mouvement. Merci. Donc on s'assure une barre donc chargée avec deux poids de 20. Donc on s'assure du 60 kg. Donc ici, on va garder donc la barre collée avec les tibias. Donc la position de départ. Les pieds écartés, donc la largeur des épaules. La largeur du bassin, excusez-moi. Le regard vers l'avant, poitrine ressortie. On récupère la barre, donc on descend les fessiers. On saisit bien la barre, le regard reste toujours vers l'avant. Et ici, la même cinématique que tout à l'heure là, donc on fait coulisser tibia, cuisse, et on recommence. Donc ici la barre touche le sol, et on revient. Donc vous voyez bien la barre reste dans le prolongement de mon corps, et elle revient. Donc je vous montre bien donc, le profil ici. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous voyez? C'est parti, let's try. Donc, allez-y. Donc, tant que je ne vous dis pas que la position est bonne, vous ne soulevez pas la barre. Ok? Regarde devant toi. Ressort bien la poitrine, serre tes abdos. Et on y va. Nickel. Super, encore. Super. Bon, c'est pour ça qu'on vous dit que la salle est en accès libre, mais c'est important sur des mouvements tels que celui-là d'avoir un professionnel pour pouvoir vous conseiller et vous corriger. Nickel. Donc la barre collée, voilà. Ressort bien la poitrine, serre tes abdominaux et on y va. Nickel. Encore une. Ok, super. Voilà. Voilà. Non, déjà, premier truc, la barre doit être collée à tes tibias. Vraiment collée. Voilà. Ça, c'est pour une question de centre de gravité, puisque il suffit que la barre soit éloignée de 5 cm de vos tibias pour augmenter la pression au niveau du bas de votre dos. Ok, donc au niveau sécuritaire, vraiment, la barre doit vraiment être collée. On y va. Non, pose la barre. Tu avais les jambes complètement tendues. Trop tendues. Les jambes, les genoux pliés. Colle la barre à toi déjà. Descends tes fesses et regarde devant toi, s'il te plaît. Descends les fessiers. Voilà, serre les abdos et on y va. Voilà, nickel. Et n'oublie pas, cuisse, tibia, cuisse, tibia. Cuisse, tibia. Encore. Ok, super. Nickel. Next, quelqu'un d'autre veut essayer? Voilà, colle bien la barre. Pose tes mains dessus, vas-y. Voilà, super. Donc serre les abdominaux et on y va. C'est parfait. Pense à la cinématique, cuisse, tibia. Encore. Allez, fais-moi encore une, c'est bien. Pense à souffler en montant. Ouvre les mains et lâche la barre. Ouvre les mains. Lâche-la. Ok, super. Bravo les gars. Ouais, plus technique mais c'est bien, super. C'est là. Ah oui. Il y a l'inertie. Thank you.
Allez, c'est bien. Ouais. 3. Allez. 4. 5. Allez. 6. 7. 1. 2. 3. Allez, c'est bien, on y va. 4. Allez. 5. Allez, go. 1. 2. C'est trop bas pour lui, hein, je pense. Hein. C'est trop bas. Hein. Allez. Allez, suivant. On y va. Oh, oh, oh. Allez. Nickel, nickel, nickel. Oh là 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 là. Allez, 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 allez. On y va, on y va, on y va. 5 secondes, 5 secondes. On y va, on y va. Wouh. Super. Bon, les amis, on va travailler sur la corde. Travail cardio, renforcement, d'accord. Est-ce que tu peux nous montrer le type de travail qu'on peut réaliser? D'accord. Alors regardez, ce qui est important, c'est tout ce qui est le placement au niveau du bas, d'accord. Les abdos contractés et on descend sur les jambes, d'accord. Et on est parti, c'est parti. Parfait, on y va. Allez, 30 secondes, 30 secondes, super. Allez, allez, allez. Ok, super, super. Ok, stop. Allez, quelqu'un qui attaque. Allez, on peut partir sur du freestyle également. Hein, si vous sentez des exercices. Ouais, bon ça. Super. Oh. Excellent. Salto arrière, boum. Ok. Allez, suivant. Après, Michael va nous montrer des techniques différentes. Allez, allez. Et il faut que ça arrive jusqu'au bout. Hein. C'est ça qui est intéressant. Les amis, très très cardio. Hein. On va. Allez. Idéal pour renforcer tout ce qui est musculaire et cardio surtout. Bon ça, oh. Ok, Benji. Ouais, bon ça, parfait. Bien. Il a trois poumons, Benjamin. Bah, ben. Donc voilà, donc on a passé donc un super moment avec de super athlètes. Vous avez pu voir donc un maximum de choses, donc le placement, le travail au niveau sécuritaire, comme vous voyez, il est très important. Donc on vous attend nombreux donc à Fitness Park. À bientôt.